La prière, ça va peut-être finir par servir. Alors je fais référence au boost ta journée, la prière, ça sert à rien. C'est une vidéo dans laquelle j'explique que bien sûr la prière est efficace et qu'on peut s'attendre au miracle de Dieu, que ce soit par des prières régulières, des prières profondes, mais aussi parfois juste des partages, des envies, des choses qui sont légitimes et que Dieu entend, puisque Dieu entend aussi le soupir de nos cœurs et il agit. Je voulais aujourd'hui faire un peu comme une suite de cette vidéo, vous encourager. Je suis dans la chambre de mon premier fils, Josué, et du coup je voulais vous partager un petit témoignage sympa qui a un rapport justement avec mon premier fils. Il y a quelques années, j'étais pas dans cet appartement-là. Je venais d'arriver en région parisienne. On avait très peu de moyens puisque on avait déménagé, etc. On arrive à un moment donné où on avait plus beaucoup d'argent. On voulait quand même offrir un beau cadeau à notre premier fils. Et en fait, mon épouse a eu cette pensée, enfin, elle me l'a partagée d'ailleurs, de dire, j'aimerais bien qu'on ait un petit camion pour notre fils. Il était assez petit à ce moment-là, pour qu'il puisse se mettre dessus et rouler. Alors ça paraît pas grand chose et c'est pas forcément quelque chose de très cher, mais en fait c'était vraiment quelque chose qu'elle m'avait partagé. Et le lendemain de ça, comme quoi Dieu attend pas, parfois il attend, des fois il attend moins, mais il entend ces petites phrases qu'on se dit. Et le lendemain, en fait, alors qu'on revenait de je ne sais plus où en voiture, on passe à un endroit et là en fait on a à cœur de s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y avait un ensemble de petits trucs, un super camion, un petit camion sur lequel il pouvait s'asseoir et rouler, exactement ce que mon épouse avait partagé la veille. Donc voilà, c'est juste des petits clins d'œil comme ça que Dieu nous fait parfois. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la prière, mais aussi la prière, c'est aussi parfois des petits désirs de notre cœur. Et en fait, Dieu entend. Il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas quelqu'un qui attend qu'on le supplie, qu'on lui parle, etc. Mais il aime nous faire plaisir, il aime notre bonheur. Alors je voulais vraiment t'encourager. Dieu est maître de toutes choses, mais sache qu'il t'aime et qu'il veut prendre soin de toi. Et tu vas certainement le voir dans les jours qui viennent si tu es attentif. Il aime avec son humour, agir dans beaucoup de petits détails comme ça et répondre aussi à nos besoins, même des besoins comme ça qui peuvent paraître anodins. Dieu veut aussi montrer qu'il est là pour nous faire plaisir, nous aider, nous accompagner dans les moindres détails. Alors courage, Dieu est là près de toi. À très bientôt.